Science Protégée, je suis en présence de Denaï Cadon. Ok. Qui bosse pour l'association Sciences Po. Sciences Po, l'association qui en jette trop, ça rime. Bonjour, pourquoi ce chapeau du futur? Pourquoi ce phallus sur la tête? Si c'est bien fait, une association, c'est comme une belle façon de se former au management, à la communication et divers aspects de la gestion de projet. En gros, la vie associative à Sciences Po jusqu'aux années 2000, ça consistait à monter des clubs de conférences débats. Sciences Po, club de wannabe AP, de wannabe énarque et de wannabe trader. Plus il y a eu d'étudiants, plus il y a eu de projets associatifs qui ont été proposés. On a commencé à avoir des gens qui voulaient s'investir dans l'humanitaire et pas seulement faire des choses en costard cravate en bikini. Ils sont quand même plutôt efficaces et s'en sortent plutôt bien à Sciences Po, dans la mesure où depuis 3 ans, l'essentiel de l'événementiel à Sciences Po est organisé par les étudiants. Miraclès, donc avec son raisin typique, il a un super chapeau. Ah d'accord. Donc, alors, Miraclès portait déjà de la Heineken. On fait aussi des cafés philo. Sortez de la caverne, sortez du basilic, venez nous voir. Le mouvement humaniste et social. Et accosté pour mon chat. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça existe. Vous voyez? Alors, c'est un plat palestinien. C'est un plat palestinien. Ça fait peur. Il y a une patate dedans. Une petite phrase là-dedans. Chers téléspectateurs, notre pérégrination continue. Je suis en présence de personne. Comme à chaque fois avec la boîte noire, nous allons au-delà du sujet abordé. Voilà le badaud numéro 2. Bonjour badaud. Que fais-tu loin des associations? Tu prends une association toute seule sur ton banc? Non, pas vraiment. Oh, mais qu'il est assidu! Bonjour individu badaud 3. Badaud 3, sur quoi porte-t-on les seutons? Alors, il a vachement travaillé quand même. On peut voir qu'il est annoté, il y a... voilà. Je lis une phrase, c'était héritage napoléonien. Ok, d'accord. Alors, derrière nous, le badaud 5, 6, 7 et 8, qui est une badette. La procédure de reconnaissance des associations. Alors, c'est une des plus belles traditions de Sciences Po, et quand on dit ça, j'ai l'impression de réciter un tract du net. C'est un sympathique folklore. Ah bon? Il faut voter pour les associations. Oui, en France, vous votez pour tout et n'importe quoi. Est-ce que le grand modèle, là, Horizon 5 ans, c'est pas une espèce de vaste studio tunnel à la Sciences Po, cette vitrine de l'ensemble de toutes ces associations avec une communication centralisée? Bonjour la police! Le vélo et la bière, c'est quelque chose de très culturel. Pourquoi ce chien est si énorme? C'est notre mascotte, il s'appelle Ignace. Ah, bonjour Ignace, bonjour les enfants. Ok. Qu'est-ce que c'est votre association? C'est le Centre Saint-Guillaume. Est-ce que Ignace est croyant? Ah oui. Oui, je crois en Dieu les amis, Dieu existe. Hypothenaï, c'est des grands malades. Dans l'absolu, il ne scratch pas, mais dans le relatif, il scratch. Non, le scratch, c'est un truc de hip-hop. Le scratch, c'est un truc de hip-hop. Oh là là. Non, non, mais Pip of the Night, c'est pas des rigolos. Le Mexique, c'est ça. Casquette par exemple est mythique, votre barbe légendaire, votre veste en cuir homérique. Donc est-ce que vous pensez que votre look de révolutionnaire anarchiste syndicaliste marxiste trouve du crédit chez les étudiants et du coup se dirige naturellement vers vous? Je ne cherche même pas à être spécialement crédible de ce point de vue là, simplement je suis là. La péniche, donc c'est le journal de Sciences Po, ça fait 5 ans qu'on existe, 5 ans qu'on rentre avec les étudiants. Donc on a vraiment besoin de votre aide pour être élu une nouvelle fois en fait, et pour aller partout en fait. Merde, j'ai foiré, il faut vraiment recommencer là. Vas-y. Donc votez pour nous, la péniche pour être, on a vraiment besoin de vos votes. 3, 2, 1, c'est parti, on y va, tout à l'heure. Tous les gens de l'amphibouterie pour faire le week-end stop and go jusqu'à Reims.
City, à la City, à la City. J'ai même mangé du brownie à la Chantilly. La Chantilly, la Chantilly, la Chantilly, la Chantilly. Si tu veux bien, dis un peu la même chose. La Chantilly, la Chantilly. Et à nous seuls, nous a plutôt bien accueillis. Eh ben, je fais un petit plan rapproché sur votre barbe, magnifique quand même pour la population. C'est vraiment magnifique, elle est d'une couleur unique. Ah, ben je crois que c'est rentré dans l'histoire dessus. Ouais, je pense aussi.